Depuis plusieurs jours et son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi est sous les feux des projecteurs. Mardi 10 août, le célèbre footballeur a officialisé son choix de rejoindre la capitale française, mettant ainsi fin à des semaines de suspense mais surtout à plus de 10 années de loyaux services au sein du FC Barcelone. Une chose est sûre, sa femme Antonella Roccuzzo joue une part importante dans la prise de décision de l'Argentin. En quelques années, celle qui est sa petite amie depuis l'adolescence, a su imposer sa vision et son influence dans la vie du footballeur. Ensemble, le couple a eu 3 garçons, Thiago, Mato et Ciro, que le public parisien a découvert lors de la présentation de la nouvelle recrue au Parc des Princes ce samedi 14 août. Si la carrière sportive du joueur est gérée par son père, Georges, son image, elle, est gérée par sa femme. C'est elle qui manage ses intérêts en coulisses. Si bien que l'entourage du couple lui a donné un surnom qui parle de lui-même. Dans un article paru dans Le Parisien lundi 16 août, un proche la compare en effet à une ancienne figure emblématique de l'histoire française. C'est elle la bosse. C'est la maman qui gère tout, une sorte de petit Napoléon qui décide de toutes les stratégies. Notamment en termes d'image de Léo, a confié la source au quotidien. De surcroît, la mère de famille de 33 ans aurait même une influence dans l'environnement des autres va. À savoir, les femmes de footballeurs. Elle a fait régner une forme de terreur dans le clan des joueurs du FCB. Elle délivrait les tickets d'entrée dans le cercle restreint des proches de la star, a également indiqué cette source. Antonella Roccuzzo semble aussi donc jouer un rôle dans le cercle social de son mari. C'est notamment le cas de Mauro Icardi, son nouveau coéquipier à Paris mais aussi son compatriote dans la sélection argentine. Les deux attaquants nourrissent un véritable contentieux depuis plusieurs années. En effet, Léo Messi n'a pas apprécié son nouveau partenaire et brisé le couple de Maxi Lopé, un ex-coéquipier en sélection de jeunes et au Barça. Il aurait tout fait pour ne pas croiser Mauro Icardi au sein de l'équipe albiceleste. Mais il semblerait que les relations entre les deux hommes puissent s'améliorer par l'intermédiaire de leurs compagnes respectives qui, selon les informations du Parisien, seraient devenues amies sur Instagram. Comme son époux, Antonella Roccuzzo s'est allée droit au but.